Dans le match Haïti contre Honduras, match Haïti qui a perdu 2 à 1, match qui a désigné est-ce que Haïti a prêté dans la compétition ça ou pas? Malheureusement, nous avons perdu match ça. Maintenant, match ça, il y a pile de bagaille qui passe. C'est d'après match ça qui pourra le faire que nous connaissons qui problème qui gagne dans la sélection nationale là. Mais avant tout, nous t'es ouais pendant match là, y a Donny Jean-Jacques qui était vraiment fâché contre coach Calderon. Pour qui ça Donny Jean-Jacques t'es fâché avec coach comme ça? Est-ce que c'est parce que réellement t'es tiré dans match là? Est-ce que c'est parce que Donny Jean-Jacques t'a mal joué donc il pas admettre ça? Moi pensais que ça allait au-delà de ça que nous t'es en pile monde qui t'a regardé match là. Donny Jean-Jacques fâché, c'est pas parce que coach a tiré, parce que coach a gagné un droit pour tirer un joueur, quel bon même si joueur t'a bien joué. Ça qui arrivait dans la disposition tactique entraîneur, ça qui arrivait que le bon plan bien défini par le faire les dirigeurs. Donc c'était pas le cas de Jean-Jacques Tambi de match là. Mais Daniel Jean-Jacques fâché, c'est parce que Daniel Jean-Jacques, ouais, gagnait un pile joueur souterrain qui tape mal joué, qui pas de plus souterrain. Et gagnait, était gagné un joueur même qui était conscient de performance, qui était prêt pour le sortir. Donc, entraîneur, c'est pas de ça que je défais. Entraîneur, t'es préféré faire changement sous Daniel Jean-Jacques, qui était pourtant t'es performant pendant tout match là, jusqu'à ce qu'il retire. Mais pour qui ça, Daniel Jean-Jacques, t'es fâché comme ça? Appelle dans nous qui est habitué sur Chanel ça, nous toujours côté moins posté coach Calderon qui a fait interview avec Fédération Haïtienne. Nous t'es ouais, c'était un coach qui dégageait une conviction dans sa labdi, qui était quoi? Mais ça a toujours arrivé vraiment dans toute sélection, dans toute équipe, gagner des joueurs qui gagnent en prise sous entraîneur qui ont un mot pour faire passer. Mais coach Calderon, nous te ouais que conviction, c'était un coach qui pourrait le faire, idée le gagner en passé. Mais ce n'était pas le cas. Nous te ouais un coach Calderon qui était pris un piège que un pile entraîneur haïtien prend déjà. Que yo qui était joueur à influencer, que yo qui était dirigeant à influencer, qui vient faire que décision pour t'apprendre qui bon pour équipe plan yo pas qu'apprendre. On prend le cas de Duke Nsinazon qui était dans match là qui pas joué un si bon match et qui était même prêt pour sortir et il était remarqué parce que les coachs t'a venir pour faire changement Duke Nsinazon qui était allé sous bonne touche là que le pensait que coach t'a pas retirer parce que il était estimé que performance pas bon. Mais coach n'a tête pâle qui était déjà pas de gagner pour retirer du Snazon, parce que souvent ça dit déjà, ça jouait, ça représentait pour sélection, qui te vient faire que coach là, te prend un piège pour te faire changement qui t'a bon pour l'équipe là. Qui vient faire que dans les Jean-Jacques qui ouais que performance que l'étape baille sous terrain, et en plus de fois que ça répété dans la sélection nationale là, qui vient faire que dans les Jean-Jacques fâché à tel point que nous ouais, coach en retiré. Li pa vle se coach la main, li tire pied. Après ça, tu viens gagner en pile parole, en pile avec joyau, là où tu es arrivé dans l'hôtel là. Entraîneur beaucoup te parle, pas dit joyau rien. Pour qui ça? Que yon équipe éliminée, équipe en dépression, tout joyau a besoin de support et psychologique, que ce soit psychologue qui gagne dans l'équipe là, que ce soit entraîneur. Donc, entraîneur, pas dit joyau rien. Parce que entraîneur, tu estimes que joyau, tu es très décevant dans match là. Décevant c'est parce que joyau pas arrivé gagner match là. Décevant c'est parce que tu étais aussi clair que entraîneur a tes gagnant disposition, tes gagnant plan de jeu que nous t'ai ouais par moment que Grenadier pas respecté. Nous t'ai ouais que une équipe qui était vraiment fébrile surtout en commencement deuxième période match là. Nous te voyons que yon équipe qui était vraiment pas motivée, yon équipe qui était vraiment découragée, de par contre ça qui t'est passé, mais nous te senti que t'es gagné un bagage qui pas marché en Grenadier. C'est ça qui fait que le coach a estimé, de fait ça, t'es vraiment décevant, qui vient faire que l'été vraiment lui-même, il pas envie de parler parce que vraiment en colère. Donc nous connaissons que le monde en colère, il pas supposé normalement prendre la parole parce que il a dit n'importe quoi. Li ka di sa pa supposé di ki vin fè ke a l'avenir sa ka tourne kont li an pou fwa ke nou kon di ke moun sa pa profesyonel nan fason pale. Donc oui je ou te bezwen yon support moral mais en même temps mwen pense ke kout chan pa te pale ke nan mouman li te gen rezon probablement
s'il te dit yon bagay, ça te ka tourner contre lui à l'avenir. Jusqu'à date dans la fait mission ça, gen pi de joueur qui te kon toujours avoué message bay peuple haïtien pour dire que yo là, yo pral estimer la joie dans cœur yo pral jouer pour yo. Mais pendant élimination, nous pas wè joueur yo qui fait pièce poste qui pas parler, nous pas wè joueur yo parler avec peuple. Qui donc non capable comprendre ça parce que joueur yo même, j'aime te dit dans l'émission déjà que premier moun qui a senti déception, c'est à peu même premier moun qui a pointé, c'est eux-même premier moun qui a crié, c'est eux-même. Donc il y a une raison que pour pas parler parce que moi pense que yo plus senti au mal que nous-mêmes qui t'a espéré de en pile de yo. Donc premier déception, c'est eux-même qui prennent. Donc yo fait silence dans moment, probablement c'est la bonne chose que tu es capable prendre. Il y a quelques joueurs en même temps qui commencent à parler, tant que Ricardo Adé, Derrick Etienne, Kanedji Antoine qui commençait sortir pour demander peuple à pardon, pour demander excuses parce que nous t'a pas tant mieux de yo, nous t'a pas tant beaucoup de yo, mais malheureusement c'est pas le cas. Et moi penser en pile dans nous à pardonner parce que ça arrivé, c'est pas pour la première fois. Yon équipe qui était très 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 promette et puis éliminée dans phase de poule. Moi pense tout simplement faut que nous prenions conscience de erreur nou yo et par la suite pour toujours avancer. La conférence de presse coach Calderon t'a baillé CONCACAF après élimination Haïti dans phase de poule. Yo t'ai demandé coach Calderon comment il était à venir dans sélection nationale après 3 matchs. Il t'ai répondu pour dire que c'est difficile pour bailler une réponse kounya parce que c'est 3 matchs que il jouait, la sous pression, émotion, donc il pas nécessaire pour prendre une décision pour dire comment avenir pour aller dans sélection nationale là. Par la suite, là t'ai rivé dans hôtel dans camp de discussion côté t'ai gain pour parler en et joueur et entraîneur pour t'en devenir remarquer que gagner trop joueur qui gagne pouvoir dans sélection ça toujours après décision si c'est pas yo qui donc il y a un paquet de choix qui pas fait qui vient faire que sélectionneur Calderon vient prendre un peu piège pal côté il était dit que Jean-Jacques pas de qualifié pour mener sélection nationale là mais il vient voir que ça allait au-delà ça plus grave que ça le pensait. Les pensées que l'été venu pour te normaliser les choses, l'été venu pour mettre de l'eau dans du vin en pile jeu et puis staff technique là. Mais malheureusement, coach Calderon dépassé par les événements qui viennent faire que lui envie abandonner poste là malgré c'est pas confirmé. Mais d'après source de très près que nous gagnons, lui extrêmement difficile pour coach Calderon t'arrêter dans sélection ça. Et Donald Guerrier qui commence à entrer dans l'âge, qui t'a supposé quitter sélection nationale là, et d'ailleurs non en pile poste Donald Guerrier fait côté lui dit lui-même après carrière c'est golf lui pour aller jouer. Donc déjà on t'a souhaité succès et pour nouvelle carrière ça avec Donald Guerrier qui t'a fait un bon parcours avec sélection national là, bien que ces derniers temps t'es gain bouche par goût en Donald Guerrier avec quelques fanatiques parce que il pas joué un bon tournoi avec sélection nationale là. Moi pense que nous supposé unir nous pour nous capable aller plus devant parce que grand pile bagaille capitaine nous plus devant parce que gagner Ligue des Nations, gagner préparation Coupe du monde et gagner même pourquoi pas une éventuelle possibilité pour dans jouer Coupe América. Essentiel là, c'est mettre tête nous ensemble pour nous capable toujours avancer. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur channel ça, moi c'est que le plus important pour encourager nous. Abonnez et like vidéo ça.